Europe 1 Matin. Place au zapping politique, le directeur général de la rédaction de Paris Match est avec nous. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la gêne qui va irriguer ce zapping matinal. D'abord la gêne du sénateur Philippe Bonnecarrère de découvrir dans Le Parisien qu'il faudra un QR code pour rentrer chez vous si malencontreusement vous habitez autour d'un des sites olympiques cet été. Ce qui est frappant, c'est que les dispositions qui viennent de filtrer dans la presse et qui seront, semble-t-il, évoquées cet après-midi sont typiques, monsieur le ministre, d'un état d'urgence. Et j'avoue que mettre en place de telles mesures dans une situation qui a vocation à être une situation heureuse pour le pays et pour le monde est extrêmement curieux comme message adressé. Petit rappel, en août 2021, Olivier Véran, qui était alors ministre de la Santé, avait eu cette phrase « Je n'ai aucune envie de vivre dans un pays où il faut montrer un QR code pour entrer dans un resto ». C'est fou comme les choses changent en 2 ans. Oui. Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, est très gêné aux entournures quand Apolline de Malherbe lui demande sur BFM TV d'expliquer ses liens entre l'organisation palestinienne, le FPLP, plus particulièrement l'une de ses membres, invitée à l'Assemblée par son parti, et ses responsables politiques. Question simple, réponse un peu plus tarabiscotée. Mais vous connaissez Mariam Aboudakar? Je la connais puisque je ne la connaissais pas, pour être tout à fait honnête, avant le fait qu'elle ait été invitée en France à tenir des conférences sur la situation du peuple palestinien. Par le groupe La France Insoumise à venir à l'Assemblée. D'abord, elle a été invitée par l'Union juive française pour la paix à tenir un certain nombre de conférences en France, et effectivement une députée de La France Insoumise. Ensuite, elle l'a invitée à tenir une conférence. On n'a rien compris. La gêne, on la sent également. Ils ne la connaissaient pas avant de la connaître. C'est voilà, oui, c'est évident. Pourquoi avoir cherché midi à 14h? La gêne, on la sent également dans le ton employé par Dominique Reynier pour évoquer sur Europe 1 la France, celle qu'il connaît et ressent, et qui n'est pas forcément celle qui est rapportée complaisamment par quelques politiques. Il arrive que la classe politique et les gouvernants aussi soupçonnent ce pays d'être raciste. Je ne vois pas ces faits. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé dans l'histoire. Je ne les vois pas. Et je trouve qu'on fait ceci à la fondation dont j'ai la charge. On compte les attentats islamiques. Oui. En France, depuis 10 ans, les victimes, nous en avons compté 400. Parfois, on peut être gêné par ses propres mots. Sur RTL, Marion Maréchal tente une formule qu'elle semble immédiatement regretter. Et du coup, elle l'explique, la contextualise, la commente et voilà. Justement, consiste à mettre au même niveau, des zozos qui ont des méthodes évidemment qui ne sont pas les miennes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est qui les zozos? Les fameux zozos d'ultra-droite, vont manifester en faisant parallèle. Ce sont des zozos. Ils arrivent armés, oui, visiblement, pour taper des Noirs et des Arabes, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Ce sont des zozos. Voilà, pas très clair non plus. C'est clair. Vous avez raison, Jérôme Béglé. La lutte de Paris Match cette semaine, je vous la montre. C'est Florent Pagny. Il va mieux, ses cheveux ont repoussé. Et ça lui va beaucoup mieux, malgré tout, même si c'était un très beau chauve. Et alors, les photos, je l'ouvre, de ce mariage à 50 millions de dollars. Ah oui, à Paris. Alors, attendez, ce sont deux parfaits inconnus. Ils ont 26 ans. Ils ont privatisé Paris. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez privatiser Paris, si tant est que vous en avez les moyens, Jérôme Béglé. Versailles, l'Opéra. Ils ont pu prendre le petit déjeuner tout seul au sommet de l'Arc de Triomphe. Ouais. Ils ont aussi été sur la Tour Eiffel. Et ils ont privatisé le château de Versailles où ils ont dîné et dormi. Absolument. 50 millions d'euros, ça leur a coûté. Ouais. Voilà, c'est dans Paris Match cette semaine. Merci beaucoup, Jérôme. Elle est fille de fabricants de tracteurs aux États-Unis et de camions.